Bonjour YouTube, DLC. DLC, oui, Desmond si tu veux. Non. U. On est toujours U. C'est parti pour la DLC, la tyrannie du roi. Machin, on va faire l'épisode 1, Déshonneur. Le pouvoir corrompu, tout blabla. Pouvoir absolument. Lord Action. 19e siècle. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Ok, pourquoi George Washington a la pomme? Chelou votre DLC là, moi j'ai arrêté de jouer hein. Non, mais là ça commence déjà à me casser les couilles. On vient peut-être de commencer. Nouvelle zone, nouveau patoun peut-être? Qui sait? Radonageddon. Réveille-toi, Radonageddon. Radonageddon. Radonageddon, lève-toi, il faut partir. Mère, mais que fais-tu ici? Est-ce encore ses rêves? Nous sommes arrivés ensemble. Il faut partir maintenant. Je croyais. Quoi, tu croyais quoi? Je croyais t'avoir perdu. Mais tu es là. Je suis là, j'ai toujours été là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Je te sens bien. Oh non, mais c'est chelou là. Mieux que bien. Parfait. Maintenant, suis-moi. J'ai entendu crier en Ganyangaira tout près d'ici. Nous devons découvrir ce qui se passe. Il y a quoi, je ressens? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de faire 24 heures de GTA. J'en ai marre de voir ce truc écrit là-haut. Tout est peut-être ma faute. Carte. Je connais cette carte. C'est la frontière. Que te reproche-t-on? Qu'as-tu fait de mal? Ok, on a l'arc, on a les machins. Ok. On a les tomahawks. Qu'est-ce que tu fais? Ah, faut les sauver. Ah si, c'était là-haut. Merde. Attends. Vous vous trompez, arrêtez. Ah bah c'est con ça. Alors. Alors, par contre, la meuf elle est morte ou pas, notre pote? Ok, ça veut se battre, hein. Le truc c'est que moi je sais me battre, hein. Voilà. J'ai fait. Pourquoi Washington vous a envoyé attaquer la frontière? Washington. Oui, c'est un pote à moi. Une indigène qui a tenté de s'en emparer. Ce n'est pas toi qui lui révélera où je suis. T'étais pas obligé, ça. Comment Washington peut-il être impliqué? Il n'est plus commandant en chef, il s'est retiré à Mount Vernon. Tu te berces d'illusions, Radonageddon. Cela fait très longtemps que le pouvoir a corrompu Washington. Moi, j'avoue. J'ai voulu l'arrêter, mais j'ai échoué. J'ai seulement réussi à attirer sa colère sur notre peuple. Tu n'y comprends rien. Ça n'a aucun sens. Les hommes du roi Washington sont en train d'attaquer Concorde. Quoi? Tout le monde. Et ils te cherchent, Ganudio. Le roi Washington? Viens. Le roi? Et George Washington, c'est pas... Tu parles bien du général Washington? Pourquoi cette femme, le Ouais, mais c'est pas un roi. Les innocents sont en train de souffrir à cause de moi. Pas seulement ceux de ce village. Nous devons en protéger le plus possible. Qu'est-ce qui s'est passé avec Washington? Ah ouais, ça crame juste à côté en fait. Dites-nous où elles se cachent et ils seront épargnés. Sinon, ces gens brûleront vite. Tout dépend de vous. On ne connaît pas cette femme. Dans ce cas. De grâce, pitié. Il y a des femmes et des enfants à l'intérieur. Lavez-vous.
faut aucune pitié. Ne faites pas ça. Je vous ai laissé le choix. Oh, mais si on la connaît pas, on la connaît pas. Ah, y a beaucoup de gens qui meurent à cause de toi. Tu veux pas aller trop, cocotte? Eh. Ah, mes objectifs optionnels, mes grosses couilles. Bon, ça va, autant que j'ai pas de temps limité. Vite! Putain, fais chier! Fais chier. Ils sont trop nombreux, impossible. Une minute pour tuer tout ça? Ouch! Et fuyez pas! Alors toi, ça dégage. Ok. Par contre, il y a ma pote Kaneketeko là qui est crevée. Sans vous faire détecter. Bon, c'est pas fait détecter en soi. En fait, on a pris 40 secondes, c'était rapide. Ok, c'était rapide. Éloignez-vous le plus possible de la ville. Cachez-vous dans la forêt. Wow, le coup. Oh la violence. Putain, il y en a 4 qui sont morts d'un coup. Ah, c'est parti quoi. Oh non, mais là. Faites gaffe les cocos. Mais je fais plus vite possible, hein. Out. Je te suis. J'ai confiance en toi. Tout va bien se passer, comme disait Père Castor. Père Connard. Raconte-nous des salaces. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Oui, moi non plus. L'autre, on l'appelle le roi, il y en a un qui est mort. Aïe. Non. Ce rattrapage du siècle. Ok, moi ça. Putain, mais je les fais tous tomber, c'est génial. Voilà, c'est fait. Quoi? Faut viser quoi? Non mais attendez. Oh. L'armée du roi est en marche. Sers-toi de ce canon pour l'arrêter. Oh. Escouade des bleus enfouis. What? Bah c'est bon. Non, j'avais pas trop compris, je me suis dit, what? Ok, on va attendre le dernier. Moins un. Vite. Ok. C'est pas passé loin, mais c'est bon. Ah, il commence à avoir du monde. Il y a du monde. Ah, il faut en avoir 7. Oh, c'est pas facile ton machin là. Ok, ça dégage.
Empêcher les renforts de Ténébreux de rejoindre Concorde. Non, mais il y a du monde là. Non, on va pas tous les avoir. Hein. Non, mais je vous préviens comme ça. Maintenant. Pouh, ça dégage. Dans vos mouises. Dans vos mouises. Dans vos mouises. Faut tirer beaucoup plus trop par rapport à la quantité d'ennemis qu'il y a en fait. C'est ça le problème. Dans vos mouises. Dans vos mouises. Ok, c'est bon. Terminé. On en a laissé passer 3, ça va. Mais pourquoi Washington, quoi? On est des patriotes, on est alliés. C'est là où va commencer la guerre de sécession, c'est ça? Je dois réparer mon erreur. Sceptre. Mère, tout cela devient de plus en plus difficile à comprendre. Ouais, explique. Oh, j'ai tué un gros. Canetsisio. Mais pourquoi c'est ma mère? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ma mère? Non. What the fuck? Je bite rien. Pourquoi elle est là, elle, en fait? Ah, fuis, je gère la situation. Vous inquiétez pas. Déjà, on est qu'à la première mission, hein, vous inquiétez pas, on a le temps. Ah. C'est Giorgio Washington, ou? Mais George! Car c'est la dernière chose que vous verrez jamais. Je suis venu vous détruire! Vous et votre misérable village. Quoi? George. Général Washington, pourquoi faites-vous ça? Après tout ce que nous avons pu réaliser. Allons, il faut vous ressaisir. C'est le pouvoir qui rend les gens cons. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair de toute ma vie. Agenouille-toi devant ton monarque, le roi George, et profite de tes derniers instants pour te repentir avant de disparaître. Vous savez quoi faire. Je pète rien, il est devenu le roi. George Washington. Ah, faut encore combattre. Une tunique bleue là-bas. Empêche-les de mettre le feu au baril de poudre. Tue tous ceux qui essaient d'allumer les mèches. C'est bon, c'est fait. En voilà un autre. Je m'en occupe. C'est bon. Là, il faut les arrêter. Ok, attendez. Ok. Arrête-le. Il y est prêt. Non mais tu peux te débrouiller toute seule avec Canesti CEO. Parce que si tu peux te débrouiller toute seule, tranquille. Ok. Ça va vite, hein. Ça va plus ou moins vite quand même, ça. Je sais même pas où sont les poudres. Je sais pas, je vois des gens, moi je tire. Hein. Moi j'attaque, moi je dégaine. Je dégaine dans la vie. Hein. En voilà un autre. Oh. Ouais, t'inquiète, je gère. Je
Ok. Faut le prendre de travers, lui. Vite. La mèche, elle est allumée. Putain. Putain, non, mais pas sérieux là, ça prêt quoi. En plus, j'ai tué les buts, j'ai mis à toi. Épisode 1 terminé. L'éveil. Ouais, je sais que j'en ai pas eu un seul, mais pas les mecs. L'histoire qui m'intéresse, bon, là, l'histoire, je pite rien, mais. Ça a l'air d'être spécial. Il a essayé de raser la ville entière. Tout est ma faute. Tout ça est très étrange. Washington est mon ami. Le bon sens guide chacune de ses décisions. Ce n'est certainement pas l'homme que j'ai fait. J'avoue, on était potes. As-tu perdu la tête? Qu'en crois-tu avoir rencontré ce monstre? Je l'ai rencontré. Mère. Ça n'a aucun sens. Washington, c'est tué, tout ça. Nous devons rentrer et avertir les autres villages. Avant que ce roi. J'avoue, on dirait une histoire alternative. Et pourquoi c'est ma mère? Je bite rien. Il y a quelqu'un qui a altéré la réalité. Grimpe sur ce cheval. Je te suis. Ouh. On va avertir le village, mais là ça se met vraiment sur la gueule et tout. Washington était le théâtre d'une grande victoire. Désormais, c'est une véritable débâcle. Ouais, je veux pas envie de te dépasser non plus. Attends, je te pousse un peu. Par ici, ce sera plus rapide. Ouais, ça a l'air d'être la merde par là surtout. Oh, non, 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 oh, oh, laissez-moi tranquille, je viens d'arriver. Ok. C'est stylé ça. Ah mais maman, tu te débrouilles. Hein. Ah j'ai des alliés, ça va. Je vois rien, je vois rien. Alors toi. Ok, c'est fait. J'étais rapide. Le roi démon est sur le sentier de la guerre. Il veut détruire notre village. Il l'appelle le roi démon. Chargé de ramener des rameaux du grand saule pour que nous puissions défendre notre peuple. Pour faire la tisane? Je crains qu'elle ne s'égare. Elle sait bien que cette tisane est une arme dangereuse. Ne faites pas ça. Hein? Tu en connais les vertus? Sont-elles si terribles? Sans aucun doute. Cette tisane est une atrocité. Elle vous rendra fou et les plus faibles d'entre nous succomberont à son influence. Nous devons obéir à la matriarche. Croyez-moi! La tisane du grand saule sera notre perte. Rentrez avec moi. Nous allons faire ce que la matriarche désire. Nous cueillerons les rameaux. Va parler à Oyaner. Si tu parviens à la convaincre, nous les brûlerons. Ah oui, on découte la matriarche. Je la convaincrai. Genre c'est comme tu deviens Hulk en fait. Tu prends et tu vois, tu deviens méga puissant. Mais en fait ça rend fou. Donc on sait pas. Bon, petite embuscade, la tisane qui tue. On a l'air d'être dans une histoire alternative trop chelou. C'est une chose que notre peuple n'aurait jamais dû découvrir. Oui, ça fait quoi? Des jeunes rameaux du grand saule qui doivent nous guérir. Elle donne certaines force. Mais merde! Oui. Ouais, ça les rend tarés. Elle t'affecterait beaucoup plus que quiconque. Je ne te laisserai pas en voir. Mon papa, Eitam? Mais non, il est pas violent, il est un peu taré, je dis pas.
Il a des convictions, il est de droite. Voilà, il est de droite. Être de droite, c'est pas être violent, hein. Ouais, le créateur soit loué. C'est l'expression du turfu là que tu viens de me sortir. Par contre, ça vous dirait que. La tisane du grand saule. As-tu oublié ce que deviennent ceux qui en boivent? Sache que moi non. Non, Ganidion. Mais confronté à la menace du roi des morts. Le roi des morts. What the fuck? Pas d'autre choix. Nous nous battrons comme des êtres humains. Non, non, mais c'est chelou. On écoute. Imagine notre force une fois tous réunis. Et combien de ces terribles tuniques bleues avez-vous tué, dis-moi? 50. 2, 5, 10. Maintenant, ils vont venir par milliers, décidés à nous détruire. Les milliers que toi, tu as réveillés. Mais j'ai rien fait. Enfin, elle a rien fait. Seul le pouvoir du grand Saul assurera notre survie. Tu es aussi folle que ça. Ouf, regarde la tête du gars en bas. Mais mon fils ne boira pas de ton poison. Et alors comme toi, il mourra. Et si on gagne sans la boire? Ça fait quoi? Quelle vieille folle. Mère, que veux-tu que l'on fasse? Notre seul choix est de nous battre. Je sais. J'ai quelque chose qui nous aidera. Une chose qui vient de ton père. Hein? Ton père? Il l'a laissé pour toi il y a longtemps, avant de mourir. Mais what the fuck? Je suis qui? Je suis toujours Adon Agadon qui a tué Itam ou je suis autre chose? Les lames. Mon père m'a laissé ses lames. Il faisait partie d'un ordre. Une confrérie secrète. Je sais qui était mon père. Et à quoi servent ces armes? C'est vrai? What? Elles me seront très utiles. Comment sais-tu tout ça? Je ne peux l'expliquer. Tout est si étrange. On est d'accord. Si étrange ici. Tout ça ne devrait pas être. Et toi non plus. Je t'ai vu. Ouais, c'est chelou, ça a l'air d'être un rêve alternatif, un bug de l'histoire peut-être. Recevez un cadeau, bien entendu. Protéger le village de Washington. What the fuck? Par contre, ça bug, hein. Ça m'a fait bugger le truc là. Alors, je sais pas ce qui est le pire, celui que j'ai pas tué ça, mais. Alors toi. Fuyez vers la forêt. Faut tuer tout le monde là, vraiment? Non, sinon je fais ça en boucle hein. Faut vraiment faire ça en boucle, protéger le village de Washington. Partez d'ici, ces hommes seront sans pied. Ok. Non mais c'est une bonne technique. Tu passes dans tous les machins et tu fais ça. Ça marche hein, écoutez. Oh! Protéger le village de Washington. Non, mais il y a du monde là. Ça commence à. Ça fait beaucoup là, non? Prenez la fuite! Y'a plus rien, y'a plus d'interaction. Faut se battre jusqu'à la mort, c'est ça? Ok, toi. Non, mais c'est des boss là, enfin.
Alors ça va crever. C'est con. What the fuck? Général Putnam. Général Arnold. Mais j'ai tué Putman. Putnam. Je l'ai tué. Je l'ai pas tué, Putnam. Putnam. Ah non, je l'ai pas tué, Putnam. Autant pour moi, j'ai pas tué Putnam. Israël Putnam. Je sais que nous libérerons cette nation. Et nous le ferons avec. Israël Putnam et Benedict Arnold, mais c'est des potes. Faites honneur à ce pays. Éradiquez-moi tous ces sauvages. Vous ne triompherez pas ici. Toi, tu as survécu. C'est incroyable. Cette fois, tu n'échapperas pas à la mort. What the fuck? Oh, c'est un one shot. Washington. Mon ami, c'était mon ami. T'es un bro à l'époque. Tu t'opposes aux forces de la liberté. Alors toi. Oh là là, mais c'est quoi ce combat de boss? Hors de ma vue. Ok, ça doit s'esquiver. Mais je peux rien faire en fait, y a pas de phase de combat. T'as juste un bâton magique. J'avoue, non mais... C'est quoi ce DLC? J'étais trompé de DLC, ouais. Ouh. Fouh. En lieu sûr, grâce à l'aide de tes frères. Le village. Le roi Georges l'a brûlé. Il cherchait ta mère. On m'entêtait de mère. Où est-elle? Elle a refusé d'écouter. Ça lui a coûté la vie. Je ne ressens pas ta rage. Je le savais déjà. Je le sais. Mais le général Washington, la révolution, comment tout cela est-il arrivé? Nul ne sait comment le roi Washington a pu s'emparer du sceptre. Et maintenant qu'il le détient, personne ne peut l'arrêter. Nous avons survécu en restant à l'écart.
Ta mère a tenté de le lui voler. Ça n'a fait qu'accroître son animosité. Ainsi, il se venge en tuant les nôtres. Et en massacrant ou en emprisonnant les peuples de la frontière. Comment avons-nous survécu? Grâce à la force qui nous est accordée. Par le Grand Saul. Une force que tu dois maintenant trouver. Mais ma mère a dit que... Ta mère était une imprudente. Elle était aussi idéaliste que têtue. Maintenant que le roi George a vu son pouvoir menacé, il réduit tout le monde à l'esclavage. Aradonaketo, ton seul et unique devoir est de racheter les erreurs de ta mère. Tu dois trouver le Grand Saule, y grimper et rapporter les rameaux vierges qui poussent à son sommet. Bois leur essence et tu auras le pouvoir de combattre et de terrasser ce roi démon une fois pour toutes. Quel pouvoir ? What ? Rassemble tes forces et je te montrerai. Qu'est-ce que c'est ? Je bite rien. Bonjour. Le Grand Saule est au sommet de la montagne du sud. Oui. Je reviendrai avec des rameaux et peut-être de la viande à faire cuire. Oh, ne rapporte pas de viande. Contente-toi de couper les rameaux, de les faire bouillir et d'en boire l'infusion. C'est ce qui te permettra de revenir prêt à te battre aux côtés de tes frères. Vois sa force. Deviens l'un des nôtres. On ne devient rien de nôtre. Aucune trace menant jusqu'ici. Va. Je te retrouverai au sol rouge. Ok, donc on doit aller chercher une plante spéciale. Washington est devenu taré. Ah mais en fait c'est toujours un... Trésor. Ah, faut bâtonner du coup. Faut bâtonner. Ce bit de nada. Salut. Vous êtes pas cool, hein. Vous êtes pas cool d'avoir tué mon cheval. Mais je cours plus vite que vous. Attends pour moi, excuse-moi. Non mais cette caméra automatique du fion. Pourquoi il y a des coffres qui se sont mis? Est-ce que les coffres déjà on pourra les ouvrir? Artefact de mémoire. Alors niveau carte, ils se sont pas foulés, c'est la frontière. Mais quand même. Ils ont pu faire un effort là. On va aller voir ce coffre là-bas. Donc ça c'était que l'acte 1 ou c'était l'acte 1 et 2? Il y a un fragment de mémoire par là-bas. Il y a un fragment de quelque chose ici. Bon, bah, s'il reste que vous comme ennemi, ça va. Ok, hop. Et pourquoi on est en hiver? Et pourquoi je me suis réveillé 5 mois plus tard? Mais putain, hein, ils sont chauds à tuer ces deux-là. Ok. Mais putain, j'arrive pas à le tuer. J'ai pas réussi à le tuer. Fais chier, non mais. J'appuie sur rouge, les choses sont censées bien se passer. Vous savez, dans les villes, les choses se passent bien. Je suis censé avoir une copine. Pardon, vous disiez ?
Qu'est-ce que c'est que ça? Interagir, interagir. Ça m'aide pas au fait. Ouais, ça m'aide pas ce machin. Mais pourquoi je dois quand même libérer les convois? Et c'est quoi ces coffres? Je vous laisse passer. Voilà, je passe de mon côté. Excusez-moi, non, j'ai pas envie de les faire chier. Déjà, j'aimerais bien comprendre le DLC. Avant toute chose. Ok, il y a un truc ici. J'aurais bien aimé le faire là. Ah bah il est mort. Ouais, il faut les tuer qu'en contre. Ouvrir. Il reste du monde encore. What? Oh non, ça c'est pas honnête. Attaque-moi. Voilà, t'es content, c'est bon. Vous devez être anonyme, on va attendre du coup, à part s'ils sont en spawn illimité. On va les chercher directement. Oh putain, il t'en faut combien? Mais bon. Pas facile, mais c'est bon. Ok, on gagne des flèches, de la viande, ça sert à rien du coup. Et du coup, c'est parti d'un patoun de coffre à faire. Et ces trésors avec des cadenas, c'est quoi? C'en est d'autres, on peut pas les déverrouiller, qu'est-ce que c'est? Donc la carte sur laquelle on fait le DLC, c'est la frontière. Ça va, j'ai compris, ils sont pas trop fous à faire une carte. Ce qui n'est pas un problème, hein, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, avant toute chose... merde. Ouf. Est-ce que les loups peuvent pas attaquer les autres? Non, mais si, c'est une bonne chose, ça. Je bite rien, non. Je vous jure. Salut, mon gros. Oh, je les ai... Non. Je vous ai resté dans le buisson. Comment tu vas, mon gros? Eh ben, c'est good. I fait. C'est pas clair, ça. Je me suis à peine levé, il y en a 4 qui sont tournés vers moi. J'ai pas trop compris le DLC. Mais c'est good. I feel... Non, j'aurais aimé. Ah, mais quoi? Ah oui, il faut que le contrer. Ah ouais. Comment ça, toi, tu peux pas? Ah oui, eux, c'est comme ça. Je suis trompé de touche. Ah, c'est bon.
Ça en fait un de moins. Mais putain, j'ai voulu faire bouclier humain, ça a pas voulu. Le DLC me passionne pas, le DLC me passionne pas, le DLC me passionne pas. Oh, mais j'atterris dans un ennemi. Non, mais... Oh, ça, c'est fou. Regardez le nombre qu'ils sont. Regardez le nombre qu'ils sont. Ah. Non, non, mais c'est pas correct, là. Là, c'est pas clair. Là. Regardez, regardez, regardez. Non, mais ça, c'est fou, ça. Ils sont tombés et tout. Non, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Putain. Ah non, mais ils sont beaucoup trop nombreux, les gars. Je voulais juste voir si je pouvais ouvrir le coffre. J'ai pas d'allié, j'ai rien. Attraper les boilers, des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est que c'est un... What the fuck? Mais là, il y a deux combats en fait. Attends, tu combats au point il y a 30 secondes. Ok. Ok, tu veux te battre, toi. Ok. Je veux plus vivre là, je veux plus y jouer en fait. Je voulais juste ouvrir le coffre. Là tu te mets derrière, il ne voit pas, et là tu fais. Bon, en fait ils m'ont vu. Écoutez, je ne comprends rien au jeu pour l'instant. Qu'est-ce que c'est pour... Des trésors, ok, il y a des trésors. Est-ce qu'il y a du coup une nouvelle source d'ADN? Oui, il y a une nouvelle source d'ADN, et ça, ça fait plaisir. Donc, mission principale, épisode 1, des honneurs, avec tous les machins qu'il y avait. Épisode 2, épisode 3. Ah non, c'est-à-dire qu'il y a deux missions dans l'épisode 1. Ah oh, ouais, il est complet ce DLC. Donc, les artefacts mémoire... Les artefacts, ok. Les artefacts et moi. Attends. Mission citation. Artefact, mission, artefact, mission citoyen, artefact. Voilà ce qu'il y a de plus. Il y a juste ça, on a eu un artefact de mémoire à frontière. Ok, on a l'air d'être sur un très très gros DLC, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Ouais, ça a l'air d'être très complet en tout cas.
Oui, je pense qu'on le fera. Je pensais qu'on avait fini l'épisode 1 tout à l'heure, genre que c'était un DLC de 45 minutes. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est 23h30, donc c'est un peu tard. Je voulais juste qu'on finisse ces 2-3 missions et qu'on découvre le DLC. Je ne sais pas si je le ferai, mais pour l'instant, je suis parti du principe que je vais le faire, vous inquiétez pas. Même si, honnêtement, pas ravi pour l'instant, j'ai pas trop compris. On est beaucoup perdu dans masse d'informations pour l'instant. Mais on verra. Plonger dans la violence et le chaos d'affronter un roi démon, George Washington, c'est vraiment bizarre. Moi, je vous fais des gros bisous. Gros bisous pour ce soir. Elle gros là. Allez, bisous.